Ben, salut tout le monde les gens, c'est Bibos, j'espère que vous allez tous bien les amis Bibossiens, Bibossiennes, moi ça va impeccable. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de DJ Serenov, salut frérot. Salut. Donc voilà, alors la dernière vidéo, je vous ai fait voir, ouais mais t'as trop de bruit là, hein, c'est... La dernière vidéo que j'ai faite, donc j'ai commencé à présenter... le Valfarmer V5, hein, le début du jeu, comment qu'on allait procéder. Donc là avec DJC, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vendre le restant du matériel qu'on va pas utiliser pour pouvoir acheter du matériel et puis commencer à faire le bois. Hein. Ouais, il faut commencer, c'est sûr et certain. Donc là tu vas te mettre sur la page dans le garage et puis tu vas me dire ce qu'on va vendre. Alors... Je suis obligé de le faire pour que les viewers y voient. Hein. Bah déjà, il va falloir pour récupérer un peu de PQ, il faut avoir des deux éoliennes. Ouais, parce que j'en ai déjà vendu deux. Hein, donc je vends les deux direct alors. Ouais, tu vends les deux. Voilà, hop là. Et alors, échappe. Et on va vendre le deuxième. Et j'ai racheté un peu de matos hein, déjà. Hein. Donc voilà, retour. Alors, maintenant il faut aller dans l'équipement forestier. Allez. Déjà. On achète tout d'un coup là, tout ce qu'il faut en forestier. Il y a 2 millions pratiquement, bah ouais, tu prends ce que t'as besoin. Hein. J'achète ou tu acheter là. Dis, puis je vais prendre. Alors le FSI Power, ST65T. Alors attends, FSI Power. C'est des soucheuses. Ah bah ça c'est le début ça. Ouais. Hop, sélectionné. Qu'est-ce que je veux dire? Le Valtra tu le gardes toi ou... Non, je vais reprendre un autre tracteur. Ok. Bon pour c'est, le FS... Ça dépensait lequel le Valtra? Celui que t'as monté dessus tout à l'heure là. Ouais mais la puissance c'est la puissance que je sais pas. Je l'ai mis au maximum. 300 chevaux. Bon ça devrait aller. Alors après il me faut le Volvo EC 210B. Le Lizard. Bah vas-y, logiquement on devrait le voir, vas-y achète-le. T'as une mine là. Ouais. Sectionner. Acheter. Oui. Voilà, c'est fait. Ok. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est le Flag, le Timberliner. Prends un auto, hein, parce qu'il y en a deux. Hein. Ouais, c'est celui-là, je prends. Acheter. Oui. Ok. Non, je vais sortir, je vais aller chercher le camion tout de suite pour le Timberliner. Alors, le camion. Hop. Moi, je vais prendre le Valtra, je vais commencer à aller aux concessions. Ouais. Hop. Alors, je prends celui-ci. Et la benne, tu vas en avoir besoin de celle-là là. Je vais en prendre une benne. Donc. Il y en a combien de bennes là, j'en ai qu'une, ouais. C'est celle de base. Non, je vais reprendre une autre benne là. Donc je laisse celle-là là. Acheter. Oui. Ok. Alors voilà. Là, il faut que je reprends un tracteur. Alors, non, on n'a pas. Je vais me proposer un tracteur. Tu t'en veux combien de tracteurs? Un seul. Bah tu reprends le Valtra ou pas? Non.
Je vais prendre le Valtro. Ah bah je vais au concessionnaire là. Il y a 300, bah je vais prendre une Benne alors. Moi je peux regarder le Valtro, moi, attends. Comme ça, je te mets la benne et puis là, des souchages dessus. Ouais, alors Benne, il faut pas trop trop grosse, mais déjà bien. Attends, genre. Donc voilà, ça c'est pas peine. Là, je pense que nécessaire pour le musée. Ah, il faudra une autre marque. Je prends la Josca. Acheter. Alors, on pourra récupérer les palettes et les planches en automatique. Ouais. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ouais, alors, attends. Il me faut. Alors, il est où? C'est chargeur sur pneu, il me semble. Alors, bon, que ce soit l'IEBR ou le JCB, de toute façon, sont tous les deux articulés. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Je prends le JCB, sélectionner, sur les roues avant jumelé, standard. Voilà. Hop. Et. Tu prends la 7000 litres avec le godet là? Le 6000 litres. C'est suffisant. Sectionner, acheter, oui, ok, et je vais prendre ma passe, voilà, pour les souches. Pas pour les souches. Et grume. Les grumes. Et je vais aller chercher, c'est où, lui, déjà, je m'en occupe plus, le petit car, quoi. C'est leur quoi lui, petit clac, je m'en rappelle plus. Chargeuse avant. Voilà. Hop. Sélectionner. Acheter. Oui. En place pour des voisins bloqués. Il y a trop de matériel dans. Ouais, allez hop, je dégage. J'amène la remorque et puis des chuchuses. Ouais. Tu me dis quand c'est bon? Ouais, c'est bon, je suis sorti là. Ah bah non, il y a encore quelque chose qui gêne. Attends, je Bah, vais il faut enlever, enlève le camion avec, ouais. avec ta remorque. Par contre, j'ai pas pris comment? Ah bah si, ça va le faire avec le JCB là. Ouais, c'est parti, on amène ça à la scierie. Donc, le prochain coup, on fera un peu de nettoyage hein, autour de la ferme. Ouais. Mais là, tu démarres chez toi, hein, dans la scierie, pour mettre la scierie en route. Ouais, parce qu'il y a pas mal de boulot. Hein. On va pas mettre en vidéo, hein, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Ouais, ça arrive tout. Hein, là, c'est juste pour dire, bah, on reprépare le jeu, quoi, comme on recommence tout à zéro. Comme j'ai expliqué hein, dernièrement, hein, sur la dernière vidéo, là. Allez. Donc on va parler de tout et de rien. Hein. Il n'y a pas de titre, hein, comme je dis. Hein. Je reprécise encore. Hein. Je mets pas de titre, rien du tout. Hein. Ça c'est fini, ça. Comme épisode 1, épisode 2, il n'y aura plus que tout ça. Et puis on avancera comme ça, au fur et à mesure. Soit qu'on fait. Donc tu seras plus sur la série, puis transport. Ouais, ma série transport parce qu'elle avait pas mal de choses à faire. Donc je vais prendre une cuve à eau tout de suite. Parce qu'il m'en faut une. J'ai pas mis la pompe parce que comment? À la ferme, il me faut faire deux coins en nettoyage pour que je rajoute le silo pour mettre stocker des copeaux et puis enfin moi pour l'ensilage et tout parce que j'ai pas de stockage et l'autre pour mettre la pompe à eau. Moi je mets une pompe, hein. Toi si tu veux récupérer, bah on le fera voir hein, l'endroit parce que moi j'ai jamais trouvé. Alors toi comme t'as trouvé. Ouais, bah je te fais voir, non, tout de suite si tu veux, j'ai le camion et Ah tout. bah Mais attends, là je suis parti à la. tu vois, c'est tout simple en fait, ça fonctionne bien même. Mais tu la citerne que tu prends la citerne pour le camion ou. Pour le camion, universel technique. Ouais, bah je prends, je veux pas acheter un autre camion avec une citerne dessus.
Donc je me sers qu'un seul camion pour prendre mes machins. Ouais, pour limiter un peu le matos, hein, parce qu'après, D'accord. il va en avoir 10 fois trop, et puis... Puis après, tu peux lui donner au niveau de la tête, hein. Parce que moi, il me faut au moins deux tracteurs, ça c'est sûr. Un que je vais équiper qui va faire que de labour et pire semence. Un pour le transport. Bah bon, il faut un plateau pour transporter les palettes, tout ça, tout. Bah, ce sera la Et... Josca, hein. Ouais, on verra après, quoi. Ouais. Bah, là, il y a la remorque, là, on peut mettre les palettes dedans, je crois. La palette, comment ça s'appelle, la remorque couverte, non? Ah, le bulpack Ouais. Je crois qu'il y en a dedans, attends, je vais te dire si c'est là-dedans. bulle cargo là. Ouais. Elle est pas automatique, celle-ci, je crois. Si, il faut faire un Ah, réglage attends. avant. Ouais, si, ouais. Ouais, parce que c'est la deuxième version. Donc, je sais plus où aller. Bah, dans les remorques, de toute façon. Je sais plus si c'est dans les belles. Ouais, voilà. C'est cargo bulle. Bon, ça, je peux la prendre tout de suite à la rigueur. La remorque. Ouais. Ça sera fait, quoi. Couleur principale. Bon. Je vais disposer comme ça, puis tu rangeras après, hein, toi-même. Hein. Ouais. Parce que je sais pas comment tu vas organiser ton rangement. Donc, il y a un mode, je pense que celui-là est un mode contest hein, qu'on a mis. Maintenant, il faut que tu fasses une double avance ou une double recul. C'est comme si c'était les vitesses synchronisées, quoi. Non. Donc, il y a un temps, il faut que tu arrêtes et puis il faut que tu rappuies après pour. Et celui-là est un mode contest qui fait ça parce qu'on ne l'avait pas avant. Mais ça le fait, hein, parce que moi je suis obligé d'appuyer deux fois sur mes pédales. Moi, ça me gêne pas plus que ça, de toute façon. Moi non plus. Bon, alors du coup, avec le tracteur, je vais chercher autre chose. Attends, mais je crois plus que. Bah, après, c'est surtout. Non, après, il faut le transporter. Ah, si, non, c'est un camion. C'est un camion. Il y a l'IEBR, enfin. Ouais, le chargeur. Ouais. Mais si tu veux, je vais faire tout de suite l'essai pour faire voir comment prendre l'eau. Ouais, t'es dans le camion là? Ouais. Alors attends, je vais replacer mon tracteur. Je vais le laisser là pour l'instant. Tu vas dans l'IEBR, et puis. Hop, C'est hop. juste à côté. Mais après, il y a d'autres endroits, hein, mais enfin, pour l'instant, moi j'ai pris ici. Bah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, c'était bon. Tu veux que je te le charge avec le godet, la flotte? À tout demander. Oh, bah, je prends l'hébert, je prends le godet, je vais charger la plotte. Je peux aller aussi vite, de toute façon. Tu me suis, là? Attends, je suis en train de prendre le godet, il faut bien que je prenne quelque chose. Ah, généralement, j'arrive à prendre les deux. Ah, tu vois, je laisse le godet, je prends La la pince, pince, ouais, je et puis sais. j'attends. Mais là, je vais regarder et je vais le prendre après. Je vais regarder pour ta plotte, vas-y, je te suis. Ouais, j'avais bien été là, mais impossible, il n'a jamais voulu me prendre la Ah flotte, ben, moi. il faut bien descendre le cul dans l'eau. Ouais, mais c'est ce que j'avais fait, j'avais mis pratiquement la benne, moi. Enfin, la cuve. Bon, de toute façon, je pars en portefeuille. Encore si tu le remplis, le portefeuille. Ouais, c'est bien. Attends. Tiens, un pêcheur. Là, je suis en. Ah ouais. Ouh. Il remplit là? Non, il remplit pas justement, c'est ce que je veux voir. J'ai l'impression que. Moi, je laisse un peu mon jeu, il faut filer. Hein. On regarde sur F5. T'appuies sur F5 pour voir s'il y a un trigger. Attends, moi, je vois pas mes touches F5. Ah, logiquement, t'es sûr? Ouais.
Et c'est R pour remplir. Oui. Attends. Ça, ça change rien du tout. R. Non, non, j'ai pas compris. R oui. Non, mais j'ai pas le R ni le I, donc ça peut pas fonctionner. Bah, fais voir un peu. Je vais prendre un peu plus loin. Attends, je vais mettre un peu plus loin. Parce que d'habitude, je prends un peu plus loin. Mais moi, sur le mien, ça fonctionne, hein, c'est bizarre. Ah non, c'est le trimger de ta remorque que j'ai, c'est pas le trimger de la flotte. Non, moi je vois pas de trimger là-dessus. Non, mais il prend pas, c'est bizarre. Ouais, bah pour ça que je veux mettre une pompe. Comme ça s'embête pas. Ouais, mais c'est un problème au niveau de la map, ça, hein. C'est parce que ouais, ça fonctionne. Hein. Il peut peut-être fonctionner en solo, ouais. Et qu'il fonctionne pas en multi. Bon, bah là c'était une fac, quoi. Bon, je vais prendre la pince. Comme ça, je vais ramener ces deux là. Et puis après, la vidéo, ce sera bon. Comme ça, après, bah, démarrera le bois. Donc, j'ai du carburant déjà. Hein. Bon, on commence, hein. Je crois que je vais aller voir ça. Oh là. Faut mettre la face à brume là. Et tu prends ton. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, je sais. Voilà. Oh, poiré. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, double. Okay. Bon, je me suis planté, qu'est-ce que je fais par ici? J'ai oublié de tourner quelque part, c'est juste ici. Voilà. Hop. Bon bah j'espère qu'il va aller jusqu'à là-bas. Il faut aller doucement parce qu'à devant il peut bouger. Ouais je sais. Mais enfin ça vaut le coup de le reprendre s'il faut parce qu'après il faut que tu fais deux fois l'aller-retour quoi. Allez, je ramène ça et ça sera bon. On préparera un peu. Alors j'ai déjà préparé les champs. Hein. J'ai refait 5 champs en colza. Parce que c'est le colza pour faire la raffinerie. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah, j'ai commencé à faire du compost avec la paille. Pour alimenter mes serres. Et puis la prochaine fois, je vais les traiter avec compost. Parce que je n'utilise pas d'engrais, moi. J'ai juste acheté un peu d'engrais prochainement pour mettre mes graines de semences en route aussi. Parce que pour l'instant, j'ai pas de fumier, j'ai pas de lisier, je peux pas faire l'engrais. Donc je vais en acheter puis pour mettre ça en route. Ouais, alors c'est un peu dommage quoi, parce que j'avais déjà bossé pas mal sur le Jar Editor, mais j'avais plus mes portails quoi. Ouais. Bon, il y a toujours des erreurs sur ces maps, hein. De toute façon. Là, le 17, je crois que ça a été râpé entre les bugs, les. Puis on peut plus travailler le Jar Editor comme on veut. Ouais, il y a certaines choses qui ont changé, ouais. C'est sûr que. Faut revoir un peu tous les paramètres, tout ça, tout, quoi. Ah, on aurait pu regarder pour prendre le marqueur là sur les arbres. Ah ouais.
pour tester sur les arbres comment on fait pour marquer. Attends, là, je vais regarder ça. Mais alors, je sais pas dans quel truc. Mais c'est en fait non, c'est pas dans les modes qu'il faut, c'est activer en fait. Comment l'activer? Attends, je vais regarder. Et il faut peut-être que tu sois à côté d'un arbre. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on va mettre ça. Ah, voilà. C'est marqueur next free. Donc c'est, je crois que c'est un point. On va Ah ouais, marqueur d'accord. Ah, c'est ou le, soit le point ou virgule. Ouais, il est tracé là. c'est moi qui l'ai fait, hein? Allez. Ouais. On va refaire un essai dans celui-là. Je vais regarder avec moi si je peux le faire. En virgule. C'est pour. C'est le point? Pour moi, c'est le. Ah merde, il était tracé. Tu l'as, t'as tracé là, non? Sur lequel? Non. Là. Non, pas encore. Alors attends. Donc c'est pas ça. C'est virgule alors. C'est virgule, ouais. Il est tracé là. Et toi, je regarde. Parce qu'il se transporte partout. Hein. Virgule. No free to. Alors, on peut pas le tracer celui-là, Ah pas d'accord. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que les pas qu'on peut faire. Ouais. Bah, il y en a là-bas derrière le camion là. Là-bas, j'en ai un là-bas. Ça, c'était quoi qu'on marche, ça? Ah, si, on peut pas. Là où je vais là. Ouais, moi aussi, là, ici, donc. Au niveau des, du pont. Hop, alors on a dit Voilà. virgule. Virgule, c'est Ouais, bon, ça marche. c'est ouais, c'est bien ça. Donc c'est virgule. Et donc le mode c'est Mark New Tree. Et puis bah, il se met automatique dans le jeu quoi. Ouais, c'est sympa, ça. Voilà, comme ça on sait les arbres qu'on doit abattre, les arbres qu'on va laisser. Voilà. Bon ben voilà les amis Bibossiens, hein, pour le retour sur Valfermeur V5, hein, multifruit. Donc il y a d'autres fabriques, hein, des nouvelles fabriques et tout. Donc on vous fera voir Bon, on ça découvrira ça à la longue, hein. à la longue, ouais, voilà. Et puis donc ben, merci pour la vidéo frérot. Merci, voilà. Et puis je te dis à la prochaine. Hein, merci à vous les viewers, les abonnés, hein, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, Salut tout le salut. monde. Bye bye.